Communion au quotidien. Bonjour amis et bienvenue à Communion au quotidien pour ce mercredi 28 septembre 2022. Je lève les yeux et les mains vers le Père pour lui rendre grâce de vous connecter à Communion au quotidien. Je prie aussi qu'il vous comble de ses grâces, de toutes ses grâces. Veuillez prendre place autour de la table pour ce moment béni de communion avec Dieu en famille. Amis, l'expérimentation ou le témoignage sous la puissance du Saint-Esprit est une manière de nous amener à ce retour salutaire à la parole de Dieu pour y puiser énergie et fondement pour une perspective glorieuse avec Dieu en vue de la conquête au nom de Jésus. Donc, amis, nous sommes à la bonne place pour redécouvrir la parole de Dieu et prier pour une Pentecôte sur notre pays au nom de Jésus. Hier, nous avons regardé comment Paul et Barnabas s'étaient retirés d'Antioche et de Pisidie en Icône. Dans une synagogue juive, ils proclamaient le message de la parole de Dieu et la parole de Dieu nous dit qu'une grande multitude de Juifs et de Grecs ont cru à l'Évangile. C'était une grande moisson, n'est-ce pas, malgré l'opposition. Nous avons aussi souligné l'attitude des Juifs impénitents qui ont soulevé la colère du peuple contre les apôtres. Ces derniers ont pu résister pour continuer de proclamer l'Évangile au point que la ville se divise en « pour les apôtres » ou « pour les Juifs ». Et maintenant, sous menace de lapidation et d'outrage de toutes sortes, les apôtres ont dû encore se retirer de la ville pour se rendre dans des contrées voisines, une façon de s'échapper à la fureur des opposants. Mais ils continuent d'annoncer la bonne nouvelle. Il est dit, « Et comme les païens et les juifs, de concert avec leurs chefs, se mettaient en mouvement pour les outrager et les lapider, vous imaginez ?» Paul et Barnabas, en ayant eu connaissance, se réfugièrent dans les villes de la Lycaonie, à Lystre et à Derbe et à Derbe et dans la contrée d'alentour. Et ils annoncèrent la bonne nouvelle. À Lystre se tenait assis un homme impotent des pieds, boiteux de naissance et qui n'avait jamais marché. Un paralytique. Il écoutait parler Paul et Paul fixant les regards sur lui et voyant qu'il avait la foi pour être guéri, rien n'est impossible. Dit d'une voix forte, lève-toi droit sur tes pieds. Et il se leva d'un bond et marcha. Amen et gloire à Dieu. À la vue de ce que Paul avait fait, la foule éleva la voix et dit en langue lycaonienne, « Les dieux sous une forme humaine sont descendus vers nous. » Ils appelaient Barnabas Jupiter et Paul Mercure, parce que c'était lui qui portait la parole. Voyez-vous, amis, le prêtre de Jupiter, dont le temple était à l'entrée de la ville, amena des taureaux avec des bandelettes vers les portes et voulait de même que la foule offrir un sacrifice. Les apôtres Barnabas et Paul, ayant appris cela, déchirèrent leurs vêtements et se précipitèrent au milieu de la foule, en s'écriant, « Ô homme, pourquoi agissez-vous de la sorte? Nous aussi, nous sommes des hommes de la même nature que vous, et vous apportant une bonne nouvelle. » Nous vous exhortons à renoncer à ces choses vaines pour vous tourner vers le Dieu vivant qui a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Ce Dieu, dans les âges passés, a laissé toutes les nations suivre leur propre voie
quoi qu'il n'ait cessé de rendre témoignage de ce qu'il est en faisant du bien, en vous dispensant du ciel, les pluies et les saisons fertiles, en vous donnant la nourriture avec abondance, en remplissant vos cœurs de joie. Et voilà, amis, à peine purent-ils par ces paroles empêcher la foule de leur offrir un sacrifice. Oh, amis, un conflit religieux neutralise la proclamation de l'Évangile. Un conflit religieux neutralise la proclamation de l'Évangile. Amis, comment communiquer l'Évangile à de grands religieux? Voilà un défi majeur. Voilà un défi majeur pour notre temps, mais c'était aussi un défi majeur du temps de Paul. OK? Remarquez bien. Paul et Barnabas continuent de proclamer l'Évangile malgré tout. Il est dit à Lycaonie, à Lystre, à Derbe, aux alentours de ces villes. C'est comme si la persécution, l'opposition arrive dans une ville, eh bien, Paul et Barnabas se retirent dans une autre ville voisine et continuent de proclamer l'Évangile. Jésus, le Fils de Dieu, lui seul, est donné par Dieu et par son nom, l'homme peut être sauvé. L'Évangile. Paul ne cesse de proclamer le pardon des péchés par la foi en Jésus-Christ et la vie éternelle aussi. Maintenant, il a dit à Lystre une guérison miraculeuse donnée à un homme. Important des pieds, boiteux de naissance, n'a jamais marché, mais il écoute la parole de Dieu avec une attention soutenue. Ce qui a attiré l'attention de Paul, qui est obligé de fixer le regard sur lui, et il est dit que Paul a vu la foi en lui. Ah, amis, ça c'est un témoignage sur la puissance du Saint-Esprit qui accorde discernement à l'apôtre pour remarquer, pour voir, pour observer. Et Paul, le regard fixé sur l'homme paralytique, la Bible dit, voyant sa foi, lui dit, lève-toi. Lève-toi, tiens-toi droit. Et amis, imaginez la suite. Et c'est fait, l'homme se lève, l'homme se tient droit. Amen. La parole de Dieu nous dit, tout est possible par la foi. Il est dit, rien n'est impossible à celui qui croit. Voyez-vous, amis? C'est deux choses dans la Bible. Rien n'est impossible à Dieu et rien n'est impossible à celui qui croit. Je ne sais pas si vous comprenez ça, amis. Rien n'est impossible à Dieu, rien n'est impossible à celui qui croit. Autrement dit, amis, par la foi, vous et moi, nous pouvons prendre le contrôle de certaines situations pour déclarer du bien sur notre pays, pour déclarer le bien sur notre famille, pour déclarer du bien contre le mal qui se fait dans notre pays. Par la foi, tout est possible. Est-ce que vous êtes là, amis? Et voilà le conflit religieux qui va naître. Ce conflit, c'est que dans cette ville, il y a une tradition d'idolâtrie. Dans cette ville, les gens adoraient Jupiter comme Dieu. Et il est même raconté par MacArthur dans sa Bible d'études que dans cette zone-là, selon la tradition à Lystre, eh bien, Jupiter avait visité cette ville sous une forme humaine. Les gens ne lui faisaient pas bon accueil. Seuls des vieux, un vieux couple a accueilli l'homme
bon, l'homme, je ne sais pas comment l'appeler, mais l'homme Jupiter, seul ce vieux couple qui a accueilli Jupiter, eh bien, c'était seulement ce couple qui a eu la vie sauve, puisque une inondation a détruit cette ville. Et toute la tradition croit que c'est parce que les gens avaient refusé d'accueillir ce vieux du nom de Jupiter, et c'est lui qui a attiré le malheur sur la zone. Voilà comment, désormais, les habitants de l'Istre allaient vénérer Jupiter, puisqu'ils croyaient qu'il y a un pouvoir destructeur en cette divinité romaine, et que si l'on ne lui fait pas bon accueil, il se peut qu'il se fâche et se tourne contre la population. Voilà une tradition qui est racontée par John MacArthur, comme je vous dis, dans sa Bible d'études. Maintenant, qu'est-ce qui est arrivé? L'homme est guéri, mais la foule s'écrie « Voilà le retour des dieux sur la terre ». Et c'est pourquoi ils vont appeler Jupiter pour parler de Barnabas et Mercure pour parler de Paul, puisque c'est Paul qui portait la parole. Bon, voilà, il l'appelle Mercure. Ouh, ami, au point que même le prêtre de Jupiter qui était dans la zone, un prêtre idolâtre certainement, il apporte des taureaux pour les sacrifier pour les apôtres. Ami, ça c'est un conflit religieux majeur qui est né à partir d'une guérison miraculeuse donnée à un homme impotent des pieds. Bon, j'ai des questions à poser à ce prêtre idolâtre. Bon, Jupiter était là et l'homme était impotent de naissance, a vécu toute sa vie, n'a jamais marché. Mais pourquoi Jupiter n'avait rien fait pour cet homme? Jupiter, où était-il? Maintenant, c'est à cette guérison-là, eh bien, il attribue cette guérison à Jupiter. C'est comme si c'était Jupiter et Mercure qui étaient descendus, parlant de Barnabas et Paul. Voilà, amis, une situation qui allait neutraliser les apôtres. Une situation qui allait neutraliser la progression, la proclamation de l'Évangile. Waouh! Maintenant, comment faire face à cela? Les apôtres, attristés, déchirent leurs vêtements, comme indignés. Ils sont obligés de venir au milieu de la foule pour parler aux gens, pour leur dire, écoutez, nous sommes des humains comme vous. Nous portons juste un message puissant du Créateur. Le Créateur de l'univers. Lui qui vous a laissé faire votre choix, mais qui est toujours là. C'est lui qui vous accorde la pluie. Pourquoi Paul souligne ça? C'est parce qu'il sait très bien que ces hommes-là ont un Dieu de la pluie. Il dit, c'est le Créateur, c'est le Dieu trinitaire, le Dieu Créateur qui vous accorde le soleil, la pluie et tous ces éléments naturels que vous voyez. Quel péché vous auriez commis en faisant cela? Au contraire, c'est de rendre grâce à Dieu. Et voilà comment, amis, Paul allait expliquer la révélation naturelle aux gens. Non pas cette révélation juive, non pas cette révélation qui viendrait de la Torah, mais la révélation naturelle pour leur parler de la création, de tout ce qui existe, qui vient de Dieu. Et voilà comment ils ont pu et à peine empêcher que ces gens-là commettent ce forfait. Nous sommes tous des humains. Nous portons juste un message puissant du Créateur. Lui qui ne cesse de vous chercher, lui qui ne cesse de vous chercher par tous les moyens. Et voilà comment, amis, ils allaient empêcher que des taureaux leur soient offerts. C'est une situation qui pouvait bien faire rire, provoquer le fou rire,
Mais en même temps, c'était du sérieux parce que la proclamation de l'évangile est neutralisée par ce fait. Mais maintenant, amis, comment faire face au conflit religieux quand on arrive, quand nous sommes arrivés avec l'évangile et il y a un symbolisme, il y a un symbole qui provoque une sorte de confusion? Comment y répondre? Amis, une chose qu'il faut noter, c'est l'incompatibilité de l'évangile avec les autres croyances. Notez-le, amis. C'est l'incompatibilité de l'évangile avec les autres croyances. N'importe moun qui vient dire, oh oui, il est capable chrétien, il est capable, comme si en même temps, il est petit bon Dieu, il est capable d'adonner à n'importe qui pratique de croyances religieuses idolâtres. Dis-le, ce n'est pas vrai. Parce que la parole de Dieu dit, Jean 14, de verset 6, Jésus dit, je suis le chemin, la vérité, la vie, nul ne vient au Père que par moi. Autrement dit, en dehors de Jésus, il n'y a pas de salut. En dehors de Jésus, vous pouvez être religieux, mais vous n'êtes pas enfant de Dieu. En dehors de Jésus, vous pouvez porter le nom que vous voulez, mais vous n'êtes pas un enfant de Dieu. Parce qu'il n'y a de salut en aucun autre. Un seul qui a été donné sur la terre et par lequel nous devions être sauvés, il s'appelle Jésus. Autrement dit, l'évangile est incompatible avec quelle que soit la croyance. Mais maintenant, amis, face à l'opposition à l'œuvre de Dieu, qu'est-ce qu'on fait? L'apôtre Paul avait secoué la poussière de ses pieds. Mais maintenant, face à une intervention miraculeuse, comment réagir? On devrait tout simplement rendre grâce à Dieu. Mais remarquez, amis, ça c'est pour des serviteurs de Dieu, pour des croyants, pour des disciples. Que faire lorsque les appréciations adressées aux leaders tentent de les idolâtrer, tentent de les diviniser? Amis, il y a des situations des fois qui sont embarrassantes. Ou des honneurs qui sont rendus à des serviteurs de Dieu. C'est comme si, écoutez, les gens prennent les serviteurs de Dieu pour Dieu lui-même. Ah, amis, fais attention. Faites attention. C'est important d'avoir les pieds sur terre. C'est important d'avoir les pieds sur terre. Et remarquez, ça arrive que ces mêmes leaders commettent des bêtises. Chose grave et gravissime. Mais personne ne peut les réprimander. Pourquoi? C'est comme si ces personnes-là, je ne sais pas qui elles représentent. Oh! La parole de Dieu dit, malheur à celui qui appelle bien ce qui est mal. Et moi, je pense que c'est s'attirer les foudres de la malédiction que de pouvoir encenser ce qui est mauvais et aussi d'idolâtrer les gens au point que l'on ne puisse même pas exhorter ces gens parce qu'on les considère beaucoup trop importants. Amis, c'est grave. C'est grave. Et c'est un danger aussi pour les leaders parce que nous sommes appelés à connecter les cœurs à Dieu et non à nous-mêmes. Nous sommes appelés à connecter les cœurs à l'amour de Dieu. Et c'est pourquoi en dehors de l'amour de Jésus-Christ, il n'y a pas de croissance. Il n'y aura pas de croissance. Si les gens s'attachent à vous comme leader et ne s'attachent pas à Dieu, qu'est-ce qui va arriver? Si les gens s'attachent à vous comme leader et ne s'attachent pas à Jésus-Christ qui est mort à leur place à la croix, qui est mort pour leur offrir la vie éternelle, mais comment, qu'est-ce qui va se passer? C'est un danger, ami. Et vraiment, il faut avoir les pieds sur terre. Il faut avoir les pieds sur terre. On se rappelle, Hérode. Ah, comment l'ange est descendu pour le frapper et comment il est comment ça, c'était assez pour lui. Ami, faites attention. Pierre a regardé l'admiration des gens. Lorsque l'homme paralytique, mendiant, était guéri miraculeusement,
Il a dû prendre la parole pour leur dire « Attention, c'est au nom de Jésus que cet homme a été guéri. » Paul aussi était bien obligé d'expliquer toute une révélation naturelle aux gens pour leur dire « Attention !» Et à noter que cette même zone-là, c'est la zone d'origine de Timothée, de Loïs, de Eunice. Est-ce que vous êtes là? Amis, que les gens débordent d'amour pour Jésus. C'est lui l'auteur des miracles. C'est lui l'auteur de la vie éternelle. Prions, amis. Éternel Dieu, notre Père, nous te rendons grâce, louange et gloire pour le Dieu que tu es. Nous bénissons ton nom de ce que tu penses à nous malgré les faiblesses dont nous faisons montre. Nous te remercions pour l'amour que tu ne cesses de manifester envers nous et envers chacun de tes enfants. Merci pour l'Évangile qui continue de faire tes chemins à travers les cœurs. Père, nous prions pour le zèle que donne l'Évangile dans le foyer de communion. Ô Père, nous te demandons de ranimer en nous la flamme de ton Saint-Esprit. Communique, Seigneur, une vigueur nouvelle pour communiquer ta parole et gagner des cœurs à Jésus. Ô Père, nous prions pour chaque cœur que tu connectes à ce service maintenant. Père, continue de te révéler à tes serviteurs. Inspire-nous discernement pour distinguer le vrai du faux, afin de déposer nos pieds à la place que tu as préparée et sur le chemin que tu as tracé au nom de Jésus. Que toute la gloire te soit revenue au nom de Jésus. Que nous soyons des serviteurs pour communiquer tes oracles et connecter les cœurs à toi, à Jésus. Oh, nous prions pour ce week-end qui s'en vient. Père, prends le contrôle de notre pays au nom de Jésus. Nous déclarons notre pays sous ton contrôle au nom de Jésus. Prends la direction du foyer de communion au nom de Jésus. Ô Père, sois le pilote de notre famille au nom de Jésus. Père, sois notre vie au nom de Jésus. Que nous soyons bouillants pour toi, malgré l'opposition de toutes sortes. Nous les soumettons à l'obéissance du Christ. Nous soumettons toute pensée captive à l'obéissance de Christ, au nom de Jésus. Père, tu connais les défis maintenant auxquels nous faisons face, que ce soit dans notre famille, ou dans le foyer de communion, oui, dans notre pays. Ô Père, un miracle en notre faveur. Oui, fais donc quelque chose pour glorifier Jésus dans cette situation. C'est en son nom. Oui, au nom de Jésus que nous te prions. Amen. Amen. Et amis, disons Amen. Amen. Voilà, amis, pour aujourd'hui, nous avons vu comment répondre aux conflits religieux. Oui, comment répondre aux conflits religieux. L'Évangile est incompatible avec les autres croyances. L'Évangile est incompatible avec les autres croyances. Et aussi, ce conflit religieux a neutralisé la proclamation de l'Évangile. Mais Paul a su expliquer la révélation naturelle pour faire comprendre aux gens que c'était insensé ce qu'ils voulaient faire. Amis, je vous souhaite une excellente journée. Que cette journée soit pour vous une expérimentation, un témoignage puissant sous la puissance du Saint-Esprit, mais aussi que nous ayons les pieds sur terre pour distinguer le vrai du faux et aussi pour rendre gloire à Dieu qui mérite toute la gloire. Au nom de Jésus. Bonne journée, amis.